Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette ligne droite à Catalunya, à Barcelona. Alaïs Espargaró a pris la RGP 24, plus de 350 km/h en bout de ligne droite. On arrive face de freinage énormissime avant de passer ce premier enchaînement droite-gauche ultra rapide. Voilà, le pif-paf est passé, fin du premier secteur, on se lance dans le deuxième, dans cet énorme virage à droite. On appuie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse. On ouvre l'accélérateur petit à petit pour se lancer dans le virage numéro 4. Gros freinage, 180 degrés. C'est un circuit fast and flowing ici à Catalunya. Il convient parfaitement à la Aprilia qui est hyper stable dans les grandes courbes rapides. Et là, c'est parfait. Nous arrivons au virage numéro 5 qui a fait beaucoup de victimes pendant la course sprint, notamment en 2024. Allez, il faut bien repartir. Le côté gauche du pneu était peut-être un peu froid. Faut faire attention à pas se faire piéger. Ici, on va préparer un virage rapide dans la remontée pour bien préparer la sortie. Allez, on arrive dans cette fin de troisième secteur. Virage très rapide sur la droite pour avoir une nouvelle fois cette petite ligne droite qui va nous emmener sur le virage Catalunya. Un virage ultra serré avec une énorme phase de freinage où Lorenzo avait fait un jeu de quilles il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on va sortir de ce long virage à gauche en appui qui est très difficile pour le pneu arrière. Allez, on enchaîne dans le dernier secteur. C'est pareil, toujours un circuit fast and flowing, très rapide. Les virages s'enchaînent à très, très haute vitesse. La Aprilia est posée au sol. Elle est en appui dans chaque virage. Dernier virage avec Aleix Espargaró. C'était la dernière fois, car à la fin de 2024, il prend sa retraite. Merci d'avoir regardé. Bon week-end à vous.